Dernière nouvelle 24 heures. Politique, Jean-Jacques Bourdin avait promis de ne pas ménager le président de la République. Mais c'est Edoui Plenel qui a le plus malmené Emmanuel Macron lors de son entretien de ce dimanche soir diffusé sur BFM TV et Mediapart. Pendant la première heure de cette interview inédite, le chef de l'État et le fondateur du site d'investigation n'ont eu de cesse d'échanger petites piques et grosses escarmouches. Premier échange, premier duel, interrogé sur la Syrie et le risque de participer à une escalade militaire en s'alliant avec Donald Trump, Emmanuel Macron a sèchement répliqué au journaliste marqué à gauche « De là où je suis, on ne peut pas se contenter de donner des leçons de morale ». Principal accrochage entre les deux hommes, Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié le ton de la question d'Edoui Plenel qui lui reprochait d'avoir « divisé » le pays en multipliant les fronts sociaux, voir notre vidéo ci-dessus. Vous avez appelé votre mouvement En Marche, n'auriez-vous pas dû l'appeler « En Force », l'a attaqué Edoui Plenel. C'est une question ou c'est un plaidoyer, lui a rétorqué le président de la République, contestant l'orientation d'une formulation biaisée. Non, c'est une question, il n'y a jamais de mauvaise question, lui a répondu le journaliste. Votre question amalgame des choses profondément différentes, ces mécontentements ont des racines profondément différentes, a tranché le président. Interrogé par Edoui Plenel, partisan affiché d'un changement de régime constitutionnel, sur la faiblesse des pouvoirs du Parlement, Emmanuel Macron l'a invité à se présenter devant le peuple s'il souhaite changer la Constitution. Quand Plenel paraphrase Mitterrand face à Giscard bousculé par Edoui Plenel sur son manque d'efforts pour combattre l'évasion fiscale. Emmanuel Macron n'a pas résisté à l'envie de renvoyer son détracteur à ses propres soucis avec le fisc. Vous aussi vous avez décidé de vous affranchir des règles fiscales, a ironisé le président de la République dans une allusion au refus de Mediapart de payer une part de TVA que l'entreprise contestait, s'attirant un redressement fiscal. Une attaque indigne, selon Edoui Plenel. Contraint de jouer les arbitres dans ce match de boxe, Jean-Jacques Bourdin a tout de même glissé quelques tacles de son cru, implorant Emmanuel Macron de mieux combattre les inégalités. Ce à quoi Emmanuel Macron lui a répondu en le remerciant ironiquement de lui indiquer quel était son rôle. Parlant au président de son « ami Bernard Arnault », Jean-Jacques Bourdin s'est fait reprendre de voler. Vous savez, les insinuations dans la vie, ce n'est pas une bonne chose, vous n'êtes pas des juges autour de cette table. Vous êtes des intervieweurs, je suis président de la République, s'est emporté le chef de l'État. Poussé dans ses retranchements tout en rendant coup pour coup, Emmanuel Macron a critiqué la « malhonnêteté intellectuelle » de ses détracteurs et de certaines questions, contestant les chiffres et les accusations portées par ses interlocuteurs. À tel point qu'Edoui Plenel a dû rappeler, paraphrase en non sans malice François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing, que le président n'était pas le professeur, nous ne sommes pas les élèves. Ironie de l'histoire, Marine Le Pen avait elle-même usé de cette tirade pendant le débat d'entre-deux-tours, ce qui ne lui avait pas beaucoup porté bonheur. À voir également sur le HuffPost, lire aussi, en direct, l'interview de Macron par Bourdin et Plenel. Mélenchon s'agace contre le « nombrilisme médiatique » de la mise en scène de Plenel et Bourdin. Bourdin et moi sommes seuls à connaître les questions, Plenel dévoile les coulisses de l'interview de Macron pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.